Lil Wayne n'a pas mâché ses mots en critiquant la performance de Mike Tyson contre Jake Paul. Déçu et furieux, le rappeur a exprimé ses doutes quant à l'authenticité du combat, laissant entendre que la légende de la boxe aurait délibérément retenu ses coups. « Le Mike Tyson que je connais et que tout le monde connaît ne se bat pas comme ça », a-t-il affirmé, remettant en question l'engagement de Tyson dans ce duel. Pour lui, même à un âge avancé, le vrai Tyson aurait mis Jake Paul KO. Ce qui a particulièrement frustré Lil Wayne, c'est la perte financière qu'il a subie à cause de ce combat. « Je suis sûr que Mike l'a fait uniquement pour l'argent. Mais je suis en colère parce que j'ai perdu 500 000 $ sur un pari qu'il allait gagner », a-t-il déclaré. Il a également ajouté que s'il avait été fidèle à lui-même, Tyson aurait dominé Paul sans difficulté. Ses propos traduisent un mélange d'admiration déçue pour Tyson et de ressentiment face aux résultats inattendus. Le rappeur a ainsi soulevé une question qui résonne chez de nombreux fans. Ce combat, largement médiatisé et lucratif, aurait-il été plus un spectacle qu'une véritable compétition? Lil Wayne semble convaincu que l'intégrité sportive de Tyson a été compromise, ce qui a terni, selon lui, l'image de l'ancien champion du monde. Lil Wayne soulève une question qui divise. Mike Tyson a-t-il vraiment tout donné dans ce combat ou s'est-il laissé influencer par l'enjeu financier? Ces propos enflamment les débats et remettent en cause la sincérité d'un match déjà controversé. Et vous, qu'en pensez-vous? Mike Tyson aurait-il dû mettre Jake Paul KO ou ce combat n'était-il qu'un show orchestré? Partagez votre avis en commentaire.